Il y a 10 ou 15 ans en arrière, la musique tradie moderne congolaise battait son plein à travers les quatre coins du pays. Banbusian, TH Musica, Vocal Bantu et bien d'autres groupes réincarnaient la culture ancestrale par le biais de la mélodie. David Makundi, dit MacDav, artiste musicien traditionnel, évoque les raisons de ce fléchissement. Vous savez, il se passe un problème. Les groupes, entre temps, sont gérés par les chefs présidents. Et du coup, quand ils ont réussi à leur mission, ils abandonnent. Du coup, le groupe n'existe plus parce que ce groupe-là comptait sur la poche du président. Ce vétéran de la musique du terroir reste persuadé que pour le cas du Kwilu, un regard du royaume contribuera à la renaissance de ces groupes tradis modernes. Parce que moi, je vois que la base, c'est le royaume. Une fois, le royaume, moi, j'accuse le royaume parce que quand on met en place, il y a des culturels, il y a des ministres qui gèrent la culture et tout, la tradition. Mais, en tout cas, depuis que nous sommes dans cette étape, depuis que la disparition de la tradition, le royaume, maintenant tu es cela. En tout cas, il y a des difficultés. C'est difficile que le royaume a convoqué des musiciens, soit très modernes ou des ensembles traditionnels et tout, pour essayer de réactiver cette musique très moderne ou bien la tradition et tout. C'est difficile. Vitrine de notre culture ancestrale, l'épanouissement de cette musique tradie moderne serait source de valorisation de nos traditions.